Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne sur notre partie Terra Invicta pour l'initiative. Je joue l'initiative. Voilà, bon, on est plutôt bien. On n'est plus bien notre petit système solaire. On a juste quelques petits aliens à exploiter. Pour l'instant, ils pensent que ce sont eux les maîtres, mais ça ne sera pas le cas pendant longtemps. Entre deux épisodes, j'ai fait deux, trois petites manips de rien du tout. J'ai comptabilisé que je pouvais m'emparer d'une autre station sur Mars. Je vais aller choper sans doute celle sur Terra Sirenium. Alors, en fait, j'ai comptabilisé au niveau de mes contrôles de mission. Actuellement, je suis à 17. Quand je regarde mes différents habitats et ce qui est en train d'être construit, en fait, à chaque mine coûte 1 et chaque cœur d'avant-poste coûte 1. Donc, si je regarde ce que j'ai actuellement en construction, bah, j'ai 1, 2, 3, 4 bases. Celle-ci me coûte déjà 1, alors que celle-ci pour l'instant me coûte 0 hein, de mémoire. Oui, voilà. Là, on voit là, en fait, le cœur d'avant-poste coûte immédiatement un point de contrôle de mission, alors que les mines, tant qu'elles ne sont pas construites, ne coûtent rien. Donc voilà, j'en ai 4 en construction, ça va faire 21. 21, et si je me construis un autre avant-poste, et ben ça va me coûter 2 points de plus. Donc du coup, je vais aller choper un qui donne des explosifs, des métaux et un peu d'eau. Même si en eau, je suis pas mal. Celle-ci est moins intéressante que celle-là, quasiment à tout point de vue. Celle-ci a un peu plus d'explosifs, autant d'eau, mais beaucoup moins de métaux pour à peine plus de fissiles. Même chose ici. J'ai un peu à peine plus de fissiles. Ouais, c'est vraiment rien, 0,064. Donc on va aller là, on va aller à Terra Sirenium. Hop. On est un avant-poste dans lequel on va immédiatement construire un complexe minier. Et une pile à fission. Paf, voilà. Et donc j'ai construit, mais I'm here. j'ai aussi renommé. Hein, mais j'avais deux bases autour de la Terre qui n'étaient pas renommées. Désormais, nous avons la station Chobiti et la station Damned. Hop, c'est parti. Surveillance complete. Alors, l'Académie travaille comme politicien. Oui, enquête. Ah. Hop, plus de revenus. Et nous avons terminé le projet. Procédure de maintenance améliorée, ce qui permet d'avoir moins de dangers sur les habitats et voilà les trucs dans l'espace, parce que c'est un peu pénible quand on a un truc dans l'espace qui se fait défoncer par des poussières solaires ou des débris d'autres satellites. Alors, module de construction, réseau d'écoute mondiale, technique de purification d'eau, c'est ce que j'ai en truc. En favori, je vais aller chercher le module de construction I have new information. permet d'accélérer les constructions. Projet Exode Astronaute. On va continuer d'enquêter sur lui. Ouf! Alors, la mégafaune terrestre saccage Yaoundé. Ouais, je vais pas pouvoir y faire grand-chose.
Je suis pas trop sûr de pouvoir m'allier avec Yaoundé. De toute façon, j'ai pas de. Pour ça, il me faudrait de l'influence que je n'ai pas. Alors, qu'est-ce que je peux lui piquer? Deux projets d'ingénierie. Ici. Ça, c'est des trucs. Ah, ça, je prends. Ça, ça donne de l'administration en plus. Est-ce que par hasard, il en a d'autres à me donner, entre guillemets? Non, il n'en a pas d'autres à me donner. Mais celui-ci, c'est très gentil de me le donner. Hop là. Du coup, je vais peut-être retourner le voir. The people will come to our side. En Chine, oui, on recommence. On va faire we comme hold no sway in their minds. Au-dessus de 50%. Ici, de toute façon, il me sert pas grand-chose tant que j'ai pas d'influence. Ok, donc là, j'ai une pile à fission. Computer snare, j'en ai pas grand chose à faire. Base extraterrestre détectée, ça. Je sais qu'ils en ont quelques-unes dans le coin. Alors. Bah, là, globalement, c'est pas mal. Hein. At your service. Allez, on continue. Alors, déplacement extraterrestre. En étudiant les résidus qui sont laissés quand quelqu'un a repéré un alien, nous avons pu établir que plutôt que de transpirer comme le font les humains, c'est les aliens dissipent la chaleur. De façon similaire à la. Alors, la. Dry ice. De la même façon que la glace se sublime directement depuis la forme solide vers la forme gazeuse. Heureusement pour nous, identifier. Enfin, suivre ceci est relativement direct. Durant le pic. De la Global War on Terror, je suppose que c'est ça. La plupart des nations utilisaient déjà des trucs infrarouges pour détecter les restes biologiques d'aérosols, les menaces biologiques d'aérosols. En augmentant les quantités et les capacités de tels systèmes, nous serons capables de détecter la présence de ce sous-produit des aliens en temps réel. Voilà, donc je vais pouvoir identifier les agents extraterrestres. Bah, nous avons montré une nouvelle organisation. Nous avons monté une nouvelle organisation en utilisant les ressources de plusieurs entreprises de communication internationale et agences de renseignement nationales. Celle-ci a pour objectif de suivre les déplacements et activités des agents extraterrestres sur Terre. Cela nous aidera à contrer leurs tentatives de manipuler les gouvernements de la Terre, mais aussi, et plus important, cela nous donnera l'opportunité d'obtenir des échantillons de technologie extraterrestre ou des échantillons d'extraterrestres. Voilà, puisque nous avons maintenant la capacité de suivre des déplacements des extraterrestres, nous devrions nous en approprier un pour l'étudier. J'aime bien la notion de s'approprier un extraterrestre. Nous ne voyons aucune raison de prendre des risques supplémentaires en le gardant en vie. Nous devrions cependant bien réfléchir au moment de lancer l'opération. Nous ne savons pas si les extraterrestres nous considèrent comme des compétiteurs, mais il est possible, j'aime bien utiliser les termes de l'entreprise, quoi. Mais il est possible que nos agents subissent des représailles de la part des extraterrestres ou de leur soutien. Voilà, donc il va falloir que j'assassine un extraterrestre. Pas que j'aille le chercher dans l'espace. Et donc je vais augmenter de 1 l'investigation de conseiller pour détecter les extraterrestres. Bon, et pendant ce temps, bah, ça doit défoncer 14 de trou.
Loyauté de 3, ça par contre je vais peut-être prendre. Je vais peut-être essayer de le retourner lui. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Plus 2 de projet. Ça me permettra d'aller encore plus vite dans l'étude de mes technologies. Des missions supplémentaires. Alors je pourrais me dire que des ressources d'influence en plus, ça pourrait être une bonne idée vu comme j'ai du mal. Celle-ci est pas trop mal. Plus un. Ouais, elle est pas trop mal celle-ci. Ouais. Hop là. On va s'arrêter là. Est-ce que je peux le donner à ce monsieur? Non, je ne peux pas le donner. Ah, mais attends. Alors, toi, ça tombe bien. Administration. Ouf. Pourquoi tu veux pas me le prendre? Ils n'ont pas de ressources. Ah, merde, il me faut de l'influence. Bordel de merde. Bon. Quel drame. Tac. Admin. 24 sur 25. Et c'est vraiment chiant d'être à 0. Je perds 8,8 par tour. Waouh. L'opinion publique mondiale. Ah, plus d'opinion publique mondiale, ça donne plus de points d'influence. J'étais pas conscient de ça. 20%. D'accord, donc ça peut être intéressant quand même de développer son la popularité au niveau mondial. Ok, donc là. Toi, tu seras terminé 11 mai, donc c'est-à-dire très vite. Et 6 juillet, donc là, c'est un peu plus tard. Ok. Bien. Alors. We'll be ready for new orders soon. Toi. Prepping for next mission. Non, zut, il faut que je termine d'avancer. We've moved the needle. Ok, donc toi, clairement, tu. Ah oui, non, toi, je pouvais aussi. Public opinion remains unmoved. Retourner. L'opinion d'un autre conseiller. Alors, projet Exode. Targeting their assets. Qu'est-ce que t'aurais aimé? Standing by for them. Reporting in. Toi. Corée du Nord, on voit que c'est chaud quand même. Le Canada, je suis toujours. Comment ça se fait que ce soit aussi facile au Canada? Ouais, j'ai toujours une opinion qui est plutôt correcte. Syrie, même Madagascar. En Russie. Où est-ce que j'en suis en Russie? Ouais, j'ai perdu un peu. Allez, on va mettre un peu de sous. I will tell our story. Ready to go. Dashus. A priori, j'aime pas trop les académiciens. Ready for others.
Si je regarde mes relations actuellement, c'est quoi? Voilà, l'académie, de fait, je les emmerde un peu. En conflit, tolérance. Donc, projet Exode. Je suis en tolérance avec... Ok. Et Citron. Alors, oui, toi, est-ce que je peux pas plutôt... Ah ouais. Bon, je vais quand même essayer de... Retourner l'opinion. Est-ce que tu as des chances de réussir? Non, aucune. Par contre, là, t'en as pas mal. Allez. I will try to sway the public. Typhon, un énorme typhon a frappé la région de Canton en Chine. Les dégâts risquent d'être énormes. Nous pouvons peut-être les atténuer en envoyer des fonds là-bas et des hommes là-bas. Bah oui. De toute façon. Our technology could be used to end hunger, poverty and disease. J'ai pas regardé aujourd'hui. Rather than raising up our entire species, it is widening the chasm between. Asset acquired. Alors. Eh ben c'est pas très intéressant ce qu'ils ont ces gens-là. Investigation. C'est marrant ça. Ils ont plein de trucs d'investigation. Toi, t'as vraiment rien de très intéressant. Si, ça c'est bien. Vache. Plus 2 d'investigation, plus. Si, c'est bien ça. Hop. Allez. We now have a spy in their ranks. Bon. Rencontre avec la faction les extraterrestres. Alors, où est-ce qu'ils sont les vilains? Ok. Est-ce que ça veut dire que j'ai détecté un de leurs agents? Faction extraterrestre. Je sais pas ce que ça fait ça. Pourquoi est-ce que Habitat Flood Site? They won't know what hit them. Hop. Une solution coopérative, bah tiens, pense-y. Non mais tu rêves. Tu rêves, coco. We're winning their hearts and minds. Pourquoi est-ce que je peux pas recommencer? Ah, c'est mon espion, pardon. Si tu veux t'amuser. Alors, les espions, que je vous montre comment. Ça, je vais le mettre en favori. Les espions, on peut leur faire échouer automatiquement certaines missions si elles sont inférieures. Le taux de chance est inférieur à une certaine valeur. Bon, c'est dommage. Et donc voilà, généralement je mets 60%. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Avoir un espion. Donc là je vois maintenant, eh ben, je connais tous les conseillers. Alors les ressources on les a toujours. On sait où sont les objectifs, non ça on le sait toujours aussi. Les relations, ça ne dit rien. Par contre au niveau des techs et au niveau des techs, bon aussi. Ah, j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait savoir au niveau des projets où est-ce qu'il en était. Alors pour ça, ouais, non, on peut pas toujours. Pas pourquoi le protectorat par exemple, je vois pas. Ah oui, on voit le nombre de points qu'ils attribuent à chaque projet. D'accord.
Oui, ce qui peut être intéressant quand on veut saboter les missions. Histoire de ne pas dépenser des points, des étapes de mission pour rien. D'accord. Tac. Feu de forêt. Et ben on va les aider. Module d'habitat terminé. Ok, très bien. Encore des bases extraterrestres. Voilà, donc là, j'ai des revenus qui commencent à être plutôt sympathiques. Et de toute façon, il va falloir accumuler pendant un certain temps. De nouvelles organisations sont disponibles, mais j'ai pas d'influence. Bon, note pour une prochaine partie, faire en sorte de jamais se retrouver à ce point-là à sec d'influence. C'est vraiment chiant. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Si celui-là, je pourrais le mettre quelque part. Avec des points d'investigation en plus. Alors, je pourrais mettre ça chez quelqu'un d'autre. En espérant que je puisse le remettre. Oui. Hop. Je vais pouvoir le remettre par exemple chez madame. Hop. Tac. Et toi, tu vas récupérer celui-ci en plus. Ah, on retrouve le service fédéral qui coûte juste 250 points, mais qui est vraiment bien. Et celui-là, c'est le 3 étoiles. J'avais le 2 étoiles qui est ici, service de renseignement extérieur. Et ça, c'est le service fédéral de la sécurité. Vraiment fort. Par contre, il coûte putain moins 250 de revenus de salaire mensuel, quoi. Et c'est pas le même déficit. 250, et c'est plus que mon revenu actuel. Ok. Donc c'est bien, mais faut pas en abuser non plus. Faisons de dépensons. Là, on va défoncer. Des petites plantes, et toi tu retournes influencer les Chinois. Making our case. Ah, il s'est planqué. Donc ça dure un temps, hein, le fait que ce soit un espion. Alors j'ai jamais trop su si, à quel point c'était possible de le garder longtemps. Public sentiment is increasingly with us. We are winning their hearts and minds. We've moved the needle. Module de construction. Alors, je vais faire un truc. Je vais essayer de me récupérer 25 points, histoire de le dépenser dès que je les ai. De 2600. The LZ is secure. Je sens que le protectorat a envie de me chatouiller sur celui-ci. Là, c'est le projet Exode qui est en premier. On va essayer de faire en sorte de ne pas le perdre celui-ci. Comme les précédents. Ready. Dashus continue à attaquer les petites plantes. Alors il faudrait que je regarde au niveau du projet Exode. C'est conseillé quelles organisations ils ont.
voir s'il y en a, si on de l'administration. Hop, donc pas lui. Organisation. Non plus. Ouh. Là, il y en a. Ouh, c'est bien ça. Alors, sauf qu'elle a 25 ans. Il a 25 ans d'administration, ce qui fait que ça va être un peu compliqué de le choper. Mais, ouh. Ouh, putain, la vache. Là, ça va peut-être voir le coup que j'essaye, que je mette un peu de sous pour essayer de le choper, celui-ci. Plus 6 de... Alors, mademoiselle Ishita, sur Michiya Sugarawa. Michiya Sugarawa. 5% de chance. J'ai des sous. Allez, 30%. Alors, réseau d'écoute mondial, qui est très bien. Un plan cybernétique. Hop. J'ai vu que j'avais 20 points là. Qui dit 20 points dit 1 point d'admin. Ah, on recommence. Plus de produits. Très bien. Our cause is unjustified to them. Moins bien. Our case remains unheard. Merde. Alors, pouf, on met en pause. qu'est-ce que je vais aller chercher? Contre amélioration de la gestion, plus 5 points ici. Ça c'est pas bon, j'ai eu l'impression que c'était intéressant quand même à faire. Réglage exécutif. On va aller rechercher celui-là quand même. Je vais éviter de perdre mes points. Alors, est-ce que je pouvais essayer de défoncer sa mégaphone? Est-ce que mes États-Unis peuvent être... Ah putain, ils sont... C'est quoi? C'est le Cameroun qui est contrôlé par... Par personne, d'accord. Le Cameroun qui est contrôlé par personne. Alors, le Cameroun, où est-il? Là. Ok, je suis allié avec le Cameroun. Je vais pouvoir envoyer. Mais... Ah zut, j'aurais pu mettre 1,6. 3,8. J'ai plus assez, dommage. Il va falloir que je recommence là, la mission. Je vais pouvoir envoyer mes tanks, mes armées. Essayer de détruire sa mégaphone. Hop. Même chose pour elle. Hop, on va quand même pas les laisser se débrouiller tout seul. Hein. Hop. Score one for the good guys.
contrôle la nation. Écoute. Alors, Dashus va continuer de défoncer. Ouf! Putain, la vache, j'avais pas vu. Wouah! Nom d'un chihuahua, non? Taking it to them. Ok, de toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre. Attends, où est-ce que j'en ai d'autres? Alors, en Russie, Laos, Kazakhstan, Soudan, Niger, Libye. Ok, laisse tomber. Ah, kit d'un poste de fission que je peux voler à l'académie. Oh putain! Coûte cher à la fin. Je me refais une recherche sur le public du coup. Public sentiment is increasingly with us. Public opinion is moving in our direction. 2,7, ouais, c'est des vraies conséquences quand même. Public opinion is moving in our direction. Très bien. Target secured. Propulseur Kiwi. Tellement de propulseurs dans ce jeu. J'aime bien les trucs fouillés. Mais. Je comprends pas trop. Une bonne cita à contrôler, t'as raison. Vu mon niveau d'influence. J'aime bien les trucs fouillés, mais je trouve que vraiment. Sur les propulseurs, il y en a tellement. J'ai lu plusieurs guides sur la question. C'est. Tel bazar, tellement de... Allez, nos tanks vont s'attaquer à vilaine mégafaune extraterrestre qui est en train de tout ravager, j'imagine. Je sais pas trop ce que... Ça doit baisser, je pense que le PIB ça doit descendre en flèche. Zut, je suis en pause. Rendement des minettes en terrestre, ça c'est un bon truc. Ça augmente tout de 10%, on va passer en plein là. Hop. They will now serve us. Yes. Donne-me celui-ci. Je veux. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas que je le choisisse? Ah si, sélection, ouais. Alors, terminé. Est-ce que t'as pu le mettre directement? Non, parce que t'as plus de place. Par contre, ça me coûte pas de sous. Ça, c'est bon. Alors, je vais le mettre chez toi, par exemple. Oui, parce qu'en plus, c'est de la persuasion. Donc, go, persuade the others. Je peux aller mettre, du coup, ces deux trucs-là en plus. Je peux aller... Ça va me faire... Là, je suis à moins 3,3 dès que... Alors, pour l'instant, le bonus n'est pas pris en compte, hein, puisqu'il faut attendre la fin du tour. Pour que les points, mais là ça va me faire plus 7 points sur ma limite, donc je vais passer à 287 sur enfin 335 sur 287, ce qui est quand même très bien. Toi, investigation, espionnage. C'est pas exactement ce dont j'ai le plus besoin, je vais plutôt le mettre chez toi. Ah, donc je vais redonner ça.
Hop, comme ça, voilà. Tac. Et là, 19. Hop. Module d'habitat terminé. Donc il faut faire gaffe, hein, de... The people will come to our side. Bien. Hop, continue. The people will come to our side. Public sentiment is increasingly Voilà. with us. Donc il faut faire gaffe, hein, de surveiller la vie de, des By tanks, the numbers. des armées. Voilà. Donc ça, c'est des trucs à faire. Ça va à 90%, elle se fait défoncer. Alors, tac. Alors, bon, on va tout de suite aller augmenter notre revenu minier. Là, c'est bon. Ouf. Je l'ai eu celui-ci. Donc, j'ai des points. C'est le conseiller que je veux. Je peux mettre ces deux-là. Toi, je vais te mettre ça. Et alors, revenu. Enfin, de l'espionnage en plus. De l'espionnage en plus. Tac. Tac. Voilà. Hop. Est-ce que je peux dans les relations entre mes pays, tant qu'à les perdre, autant s'en servir. Alors je peux pas tout de suite de 8 août avant qu'ils soient alliés. Gérer, quels sont mes alliés? Surtout, je pourrais lâcher des alliés en fait. Typiquement, la Corée du Sud, je suis pas sûr de m'y intéresser beaucoup. Et puis c'est la résistance, et la résistance, ce sera pas trop mes potes. La Turquie, le Maroc, l'Islande. Hop. Et j'ai plus assez de points déjà. Des centaines de vite. Moins 3,3. Moins 0,4. Yes! Je suis pas ah oui, du coup, j'ai. Ah, j'ai oublié ça. Ce petit détail, c'est vrai que j'ai toujours pas. Moins 0,16! J'ai toujours pas pu reprotéger les États-Unis. Eh ben non, c'est je ne peux pas les reprotéger. Et la Chine, ils sont protégés ou pas? Non, c'est ça. Si, la Chine est protégée. Mais les États-Unis ne le sont plus. Bah, ça va devoir attendre que je revienne. 20 points. Et on se met. Where to? On n'en a jamais été aussi proche. Hop. Gear up. I'm here. Toi, je vais essayer de reprendre. Indria, ok, c'est toujours toi. Est-ce que tu en as un autre qui donne plus 4 points d'admin? Donc, je vais effectivement toujours essayer de te le choper. Mais j'ai nettement plus de chances d'y arriver. Targeting their assets. Please keep me safe. Please keep me safe. J'aime bien.
Qu'est-ce qu'il peut faire de l'enquête? Ah, toi, je peux faire de l'attaque. Oui, mais t'as rien en commandement. T'as 4 en commandement. Toi, tu peux faire de l'enquête. Et toi aussi, bah, toi, tu vas faire de l'enquête à Rome. Et toi, tu vas aller enquêter sur ce qui se passe à Rome, puisque des extraterrestres ont été aperçus dans cette région. Et ben, tu vas aller voir si tu n'arrives pas à repérer un vilain extraterrestre. Ok, station orbitale. Donc ça, de toute façon, il me le fallait, donc c'est très bien. Alors, aérospatial, supraconducteur avancé. Je peux aller chercher le camp, éventuellement. Je peux aller chercher marché additionnel. Je crois que c'est ça qui donne des organisations supplémentaires par tour. Je vais aller choper ça. Initiating recon. Mégaphone, yes, on fait même un succès. Mégaphone extraterrestre détruite. Un examen préliminaire de la carcasse de cette créature colossale suggère qu'elle n'est pas une entité entièrement indépendante, mais se trouve en fait liée aux excroissances extraterrestres semblables à des végétaux qui se trouvent autour d'elle. Imaginez que cette végétation étrange est comme le vaste réseau mycorhizien qui se développe sous un sol fertile. Et les titans sont les champignons qui poussent à la surface. C'est ici que l'analogie s'arrête cependant, car ces géants ne sont pas fongiques, ils sont mobiles et très agressifs. Leur véritable nature est assez mystérieuse, car les titans semblent être une sorte d'hybride d'animal et de végétal, peut-être le résultat de manipulations génétiques. Ces théories semblent soutenues par la vitesse impressionnante à laquelle ils atteignent leur taille énorme. Notre hypothèse de travail actuelle est qu'ils ne poussent pas simplement, mais font partie intrinsèque des procédures de biosphérisation extraterrestre. Toute matière de la zone, terre, roche, mer, plantes et animaux, est absorbée en grande quantité et rapidement transformée en masse corporelle. Même si nous ne pouvons pas encore comprendre la nature exacte de ce processus, une chose est claire, si nous ne maîtrisons pas rapidement la situation, la Terre sera bientôt envahie de ces titans. Bien. Et j'ai pas pris trop de dégâts. Non, ça va. Donc je peux renvoyer mes gens à la maison. Renvoyer tout le monde à la maison. Paf. Voilà. Ils y seront le 1er septembre. Ça coûte. Il faut savoir que les armées qui sont pas chez elles coûtent un poil plus cher. Bien, ceci c'est fait. Bon, le Cameroun s'est fait ravager, mais on a fait ce qu'on a pu quand on l'a pu. Et je vais m'arrêter sur cette victoire. Victoire partielle sur les extraterrestres, mais une victoire tout de même. Je vous fais des bisous, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.